suis chimiste et quand il y a 50 ans environ, j'ai eu cette idée. Bon, je suis arrivé en Europe comme postdoc avec une bourse pour travailler à Oxford. Et parce que j'ai terminé ma thèse, j'avais 23 ans, j'ai eu l'idée, je vais voyager. Ce n'était pas vraiment pour faire des photos, c'était pour voir un peu les pays de l'Europe. Je suis né en Europe et on a quitté l'Autriche où je suis né pour éviter les nazis. Mes parents étaient vraiment un peu conscients de qu'est-ce qui se passe. Et 3 jours après Hitler est entré en Autriche, nous sommes partis pour faire un voyage de ski en Suisse, en Guinée. Et on nous a laissé passer sans problème. Et après, finalement, j'ai passé avec ma mère, mon frère, 3 mois en Suisse. Après, on est allé en France et finalement, on a eu la possibilité de venir aux États-Unis. Et bon, quand j'ai voyagé, j'ai eu l'idée que je vois des parties de l'Europe qui vont disparaître. C'était juste après la guerre, c'était encore très primitif. Et j'ai dit, bon, peut-être que ça va être intéressant un jour. Tout ça, c'est l'ancien Yougoslavie. J'ai passé toute une journée autour du marché de Sarajevo. J'étais en train d'écrire un livre et ça aussi je m'ai arrêté quelque part pour faire des photos des États-Unis. Par exemple, je suis par hasard arrivé à un petit foreign dans un village indien de Navajo. Tout à fait par hasard, il y avait peut-être 200 personnes, 200 indiens, il n'y avait pas des blancs, pas des étrangers. Et j'ai commencé à faire des photos et j'ai eu ce truc, si vous voulez, que j'ai eu un objectif où on peut regarder ce qu'on fait. C'est un peu comme ça maintenant, qu'on peut viser, on peut se mettre comme ça, mais vraiment on fait une photo dans cette direction. Alors les gens n'étaient pas au courant que j'ai fait des photos. Ils sont au courant que j'ai fait quelque chose, quelquefois ils regardent qu'est-ce que j'ai fait. Alors c'est commencé comme ça.